Hello, hello, hello la famille. J'espère que vous ne dormez pas. La pleine lune est là. La pleine lune est là pour nous. La pleine lune est là pour nous faire profiter de son énergie, pour nous guérir, pour nous entretenir, pour nous résoudre nos problèmes. Alors, profitez de cette énergie divine, cette énergie naturelle, comme tous les astuces de mystère retrouvées sur la chaîne Mystère de la Nature. Qui peut dire le contraire? Alors, je vais partager avec vous un bain de déblocage, de désenvoûtement et de purification, et surtout un bain pour chasser, pour détruire le mauvais œil parmi nous, qui rôde autour de nous, qui nous empêche de nous épanouir. Alors, ce bain vous permettra de vous nettoyer toutes les énergies négatives accumulées, de briser tous les blocages et même de vous désenvoûter. Juste ce bain. Et ce bain a un seul ingrédient, le citron. Ce bain peut être fait à tout moment, mais pour plus d'efficacité, il faut le faire en période de pleine lune, dans cette période-ci. Ce bain est d'une puissance incroyable, mais simple. Mais la puissance de ce bain, ah oui, testez et revenez témoigner. Revenez témoigner. Nous avons besoin de quoi comme ingrédient? Comme ingrédient, nous avons besoin de 7 citrons. 7 citrons verts, de précision. 7 gros citrons verts. Je ne vous demande pas d'aller chercher des petits citrons. Non. Des gros citrons verts. 7. Vous allez découper les citrons. Découper les 7 citrons. Que vous allez presser le jus de 7 citrons dans un récipient contenant de l'eau de votre bain. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, vous avez déjà préparé votre eau de bain. Vous découpez le citron en deux et vous pressez le jus de ce citron-là à l'intérieur. Quand vous allez finir de presser le jus de ce citron-là à l'intérieur, le reste de citron, ça veut dire les déchets de citron déjà pressé là, mettez-le aussi à l'intérieur de cette eau. Vous mettez tout ce reste-là, ce déchet de citron-là à l'intérieur. Et vous allez déposer votre eau à la pleine lune. Vous allez exposer votre eau à la lune. Ainsi, la lune pourra magnétiser votre eau, charger votre eau. Et avec l'énergie du citron et l'énergie de la lune, vous aurez un résultat vraiment, vraiment qui vous plaira. Parce que si je donne encore trop de l'eau, vous allez croire que je vante plus ce bain que les autres. Non. Chaque bain a sa spécificité, sa particularité. Donc, faites cela. Et dès que vous faites déposer cette eau aux environs de 19h30, 20h, et vous récupérez votre eau à 22h, 23h par là. Dès que vous récupérez votre eau, vous, les chrétiens, vous mettez la main droite dans l'eau. La main droite dans l'eau. Et vous récitez le psaume 21 une fois. Le psaume 34 une fois. Et le psaume 91 une fois. Vous faites vos vœux et ensuite vous partez vous laver avec cette eau sans savon, sans gants de toilette. Juste versez l'eau sur vous et vous frottez. Et après le reste de citron, vous le jetez à la poubelle. Ou vous pouvez le garder dans un nylon noir. Dès que vous mettez là un nylon noir, vous fermez. Le lendemain, vous jetez très loin à la poubelle. Pour les musulmans, vous mettez toujours votre main droite dans l'eau, vous récitez 7 fois la Fatiha, 11 fois la sourate 113, 11 fois la sourate 114, et vous soufflez sur l'eau. Vous soufflez sur l'eau juste, vous émettez votre vœu et vous partez vous laver avec cette eau, sans savon ni gants de toilette.
et le reste de citron, vous le mettez dans un nylon noir de préférence, et hermétiquement que vous allez fermer, le lendemain vous partez jeter à la poubelle. C'est juste cela. Et je n'oublie pas les non-chrétiens et les non-musulmans. Les non-chrétiens et les non-musulmans, faites juste une prière qui vient de votre cœur et vous faites vos vœux sur cette eau avec la main droite dans l'eau et vous partez vous rincer avec. Ce bain se fait spécialement en soirée, comme j'ai précisé là. Ce bain se fait en soirée et revenez témoigner sur cette chaîne. Revenez témoigner. Ce bain se fait une fois. Hein? Une fois. Vous n'avez pas besoin de faire deux fois. Si vous pouvez, pour plus de travail sur vous, faites-le plusieurs fois. Mais, de précision, faites-le une seule fois et vous aurez votre résultat. Ciao. À bientôt. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et de liker la vidéo.